À quelques minutes de la fin des prolongations, l'équipe des Newbies et celle de San Francisco sont à égalité. Ted Carter s'apprête à tirer le corner. Encore une situation dangereuse pour les Newbies. Bonne entrée. Oh, regarde, c'est pas mal. Capitaine. C'est incroyable. Le gardien Bryce se porte en attaque. Il récupère le ballon. Fille droit vers le but. Il est à 30 mètres. Il vient tirer au but d'une telle puissance. Et il a marqué. Le gardien des Newbies n'a rien pu faire contre cette frappe tout en puissance. C'est le deuxième but pour San Francisco. Un but incroyable. Marqué de 30 mètres par le gardien Thomas Bryce. Ben, il n'y a que toi qui puisse m'aider. Quel courage! Si nous continuons à nous battre, nous marquerons. Je suis sûr que cette fois, nous garderons l'avantage. Et peut-être qu'on réussira à marquer un autre but. Nous devons tenter le tout pour le tout, c'est compris? Oui! Oui! Aïe! L'arbitre siffle la reprise et les Newbies partent à l'attaque tout de suite! Il faut l'arrêter avant qu'il ne s'approche du trou et éviter de lui laisser le champ libre. T'inquiète pas, je m'en occupe. Vas-y, Olivier, t'es le plus fort en avant, mon champion. Vas-y, Olivier. À toi le ballon. Les Newbies poursuivent leur attaque par le duo Olivier Hatton et Ben Baker. Attendons de voir ce que nous réservent ces deux garçons. Il faut reconnaître qu'ils ont beaucoup de mérite à être aussi combatifs. Mais qu'entends-je? Il s'agit probablement d'un match de football très important. Olivier! Alfred, Marc, Olivier, toi, Gary, tu prends Baker. Il faut les empêcher à tout prix de passer. D'accord. Thomas Bryce vient d'ordonner à sa défense de changer de disposition tactique. Est-ce que cela va servir à arrêter Olivier Hatton et Baker? Rien n'est moins sûr. L'équipe de la Newbie se déploie maintenant sur tout le terrain adverse. Les Newbies se déplacent avec une rapidité fantastique. L'attaque des Blancs est dirigée de main de maître. Ils ont tout pour réussir. Précision des passes, vision du jeu, ainsi que la rapidité d'exécution. Très bien, les gars, il faut continuer. Ben Carter essaie d'intercepter le ballon. Sa tentative n'aboutit pas et le ballon prend la direction de Ben Baker. Baker, dans une bonne position pour reprendre le centre. Il va capter cette balle à terre. C'est fait. Il vient d'écarter le danger. Il est vraiment très fort. C'est pas vrai. On a pas de chance. Bravo, Thomas. Tu as bien anticipé sur ce ballon dangereux. Vous êtes prêts, les gars? À vous. Thomas Bryce vient de relancer le ballon à la main. Et l'équipe de San Francisco part immédiatement en contre. Les joueurs de la Newbie essaient de réorganiser leur défense. Allez, revenez vite en défense. Je n'arrive pas à comprendre. C'est la première fois qu'ils jouent comme ça. Et en plus, ils ne semblent même pas fatigués. Incroyable! Mais comment ils font pour avoir autant la forme?
Il ne reste plus que deux minutes à jouer avant la fin des prolongations. San Francisco poursuit toujours son attaque. C'est pas vrai, ils vont pas nous faire le coup de la passe à 10. Mais c'est pas vrai, ils vont pas osé faire ça. Nous n'avons pas besoin de faire de l'anti-jeu pour gagner ce match. Ted, prépare-toi à porter l'attaque. C'est incroyable, San Francisco ne se contente pas de son avantage alors que le match est pratiquement terminé. San Francisco continue à faire l'effort. Continuez comme ça. Hé, Marquise Island, montrez-leur que c'est vous les plus forts, ils sont cuits. Quel match, c'est vraiment fantastique. Ils jouent sans reprendre leur souffle. Vas-y, Olivier, montre ce que tu sais faire. Vas-y, Olivier. Garde face à Mason. Mason continue vers les buts adverses, mais il se trouve face aux défenseurs. Il cherche un partenaire démarqué. Il le trouve à la personne de Paul Diamant, qui reprend immédiatement le ballon de volée. Le ballon prend la direction du but. Le gardien, Deliupi, est parti avec un temps de retard. Il est certainement battu. Oh! Le gardien est bel et bien battu, mais Becker surgit. Il réussit à dégager ce ballon avec un retourné acrobatique. C'est fantastique. Quel geste technique. Bravo, Ben. Sans toi, c'était terminé. C'est rien. Maintenant, c'est à vous d'aller marquer. Ouais. C'est incroyable. Il a intercepté le ballon juste au bon moment. Il est intelligent et il sait anticiper sur les actions. Ses qualités de jeu sont supérieures à la moyenne des joueurs. Olivier Hatton a pour lui l'intuition du jeu. Il semble que le ballon et lui ne fassent qu'un. Sera un jour un grand champion. Arrivé à ce degré de perfection, il a dû s'entraîner pendant des années. Il ne faut pas que tu t'occupes seulement d'Hatton, tu dois surveiller aussi Ben Becker. Les Blancs attaquent encore. Ils réussissent à dribbler à la perfection et continuent vers le but adverse. Je le savais, Ben ne peut pas résister quand il voit un ballon. Tout compte fait, il est capable de devenir un grand professionnel. Becker poursuit son effort. Il est accompagné de Olivier Hatton. À eux deux, vont-ils réussir à faire la différence? Il ne reste que des poignées de secondes à jouer. Il semble que personne ne soit en mesure de les arrêter. Becker poursuit son action. Il est toujours en position du ballon. Allez, Ben, viens, fond, Olivier. Courage, Olivier. Vas-y, Ben, encore un effort. Oh.
Je me demande, tu vas tirer Olivier avec sa frappe puissante ou l'autre tout en finesse? Il est opposé à deux joueurs complètement différents, l'un est puissant et l'autre technique. Allez les gars, allez, on est de tout cœur avec vous. Lequel des deux se chargera d'exécuter le gardien d'en face, Baker ou Watson? Baker part sur le côté droit. Il sort sur Olivier Hatton qui s'est démarqué. Ça y est, vous vous êtes décidé. Vas-y, Olivier. Oui, tire. Oh. Attends, redonne le ballon à Baker. C'est un recentrage aérien pour la tête de Ben Baker. Baker, c'est bon, prends ce ballon. Quelle technique! Il a une détente exceptionnelle! Si tu te détends bien, tu pourras l'arrêter! Baker prend le dessus! Il a anticipé la sortie de Price! Il redonne le ballon à son coéquipier Olivier Hatton! Hatton est au milieu de la surface de réparation! Pourra-t-il reprendre ce ballon? Hatton saute et de la tête redresse ses jambes! Qui va se loger au fond des filets? Et c'est un but splendide, marqué par Olivier Hatton. Quel spectacle, mesdames et messieurs. Bravo, fantastique, super. Il faut signaler le travail magnifique de Ben Baker, qui en recentrant sur Hatton a permis à ce dernier d'être à la conclusion d'une action fantastique. C'est génial, on a quand même réussi à égaliser, on est les plus forts. Hey, Olivier, tu sais que tu as réussi à marquer les plus beaux buts que j'ai jamais vus. Bravo. Vous avez été fantastiques, les gars. Vous deux, vous êtes les meilleurs. Oui, c'est vrai. Surtout que vous avez fait tout le boulot à vous deux. Et c'est toute performance. On les a ridiculisés. Vous avez vu ça, monsieur? C'est super. Oh, c'était très bien combiné. Maintenant, nous avons une équipe brillante. Et il faudra qu'on joue toujours comme ça. Oh, c'est vrai. Moi, je suis d'accord avec Arthur. Finalement, tu as trouvé une équipe qui a besoin de toi, mon fils. Je ne pensais pas que ça finirait comme ça. Ils ont réussi à me prendre à contre-pied. Ne t'en fais pas pour ce but. Ils ne pouvaient absolument rien faire contre eux. Nous sommes vraiment désolés, Thomas. On a tout fait pour les arrêter, mais ils sont trop forts. Eh oui. Vous n'avez pas à être désolé, vous ne pouviez rien faire. Oh, ça c'est vrai. Il reste encore un peu de temps avant la fin de ce match. Nous pouvons encore aller marquer, pas vrai? C'est une question de volonté. Ouais, Thomas, tu as raison. Ouais, on va y aller. Tu as raison de les encourager encore. Tu as tout compris maintenant. Ils se retrouvent tous autour de leur capitaine. C'est ainsi que doit réagir une équipe. Oh. Je ne perdrai pas cette partie. Le défi continue. Allez, allez. C'est vraiment un match plein de rebondissements. Les deux équipes sont à nouveau à égalité. Le jeu vient de reprendre un instant. C'est San Francisco qui attaque. San Francisco continue son pressing. Le ballon est intercepté par les Yuppies. Pour peu de temps, car San Francisco vient de récupérer le ballon. Non, les gars, il manque peu de choses pour réussir à gagner ce match. Allez! Oh, quelle partie mouvementée! J'espère que cela finira bientôt. Allez! En avant, le San Francisco! N'oubliez pas que vous êtes le champion! Allez! Dans une atmosphère de folie, les deux équipes luttent pour la possession du ballon! Chaque balle est à profond disputée. Et bien malin, qui pourra dire laquelle de ces deux équipes remportera ce tournoi. Tenez bon, les gars! Les deux équipes ont les 90 minutes du match dans les jambes, plus les deux mi-temps de prolongation. Et pourtant, elles jouent avec une énergie, une détermination à toute épreuve. Le règlement du tournoi prévoit qu'en cas d'égalité, après prolongation, les deux équipes seront déclarées victorieuses.
Encore un effort, Olivier. À vous de jouer. Hatton a renvoyé le ballon vers l'un de ses coéquipiers. Tous dessus et dépêchez-vous, les gars. Johnny, le laisse pas passer. Il ne reste plus que 10 secondes avant le chronomètre, mais les deux équipes ne semblent pas baisser de rythme. Baker vient de récupérer le ballon, il s'échappe en direction du but adverse. Baker continue tout seul. Olivier! Baker vient de se débarrasser du ballon et par un centre aérien, il relance. Attends, c'est sans doute la dernière possibilité de marquer. Le gardien et capitaine Thomas Price a hésité un moment avant de sortir devant Hatton. Price et Hatton sautent tous les deux sur le ballon et c'est le combat entre les deux garçons. Roule vers le but. Il est tapé contre le poteau et il est sorti en touche. Le match est terminé sur le score nul de 2-2. C'est la première fois dans l'histoire de ce tournoi qu'un match finit ainsi. Il n'y aura ni vainqueur ni vaincu. Le spectacle était vraiment de qualité aujourd'hui. Et je crois qu'il faut se réjouir de cette finale haute en couleurs et riche en rebondissements. Tu es un joueur vraiment extraordinaire. Et toi, tu es le meilleur gardien. Ça y est, c'est fini. Est-ce que c'est mal maintenant que le match est terminé? Je commence à sentir tous les coups. J'ai l'impression d'être passé dans une machine à laver, j'ai mal partout. Mes compliments, je dois reconnaître que mes amis jouent au football. Oui, c'est vrai, vous êtes bien défendu. La prochaine fois, ça nous fera plaisir de vous retrouver. Moi aussi, vous avez été très très fort. C'était vraiment un beau match. Ah. On est vraiment les plus forts. Ils y ont mis toute leur énergie et tout leur courage. Ils ont tous été de grands joueurs. Je crois que tu seras heureux ici, mon fils. Tu sais, Olivier, c'est un plaisir de t'avoir comme adversaire. C'était vraiment un grand match. Bravo! Je ne pense pas pouvoir oublier cette belle journée. J'espère seulement que ce jour sera le premier d'une très belle série. Merci, sans vous, je ne sais pas ce qui serait arrivé. Merci pour tout, les gars. Vous avez été super. Ouais, bravo, Olivier, tu as joué d'une manière fantastique. Ta carrière vient de commencer. Et tu as montré que tu étais un grand joueur. Tu as beaucoup de mérite. Oh. Ne pleure pas.
10 minutes. C'est assez pour rassembler nos espoirs et pour forcer la victoire. La victoire, quand on a le ballon au bout du pied, quand on a trouvé le bon équipier, une passe, un crochet et on a marqué. Olive et Tam, ils sont toujours en forme. Tam, Olivier, sont super entraînés. Tam, Olivier, ils sont venus pour gagner. Olive et Tam, ils sont toujours en forme. Tam, Olivier, sont super entraînés. Tam, Olivier, ils sont venus pour gagner. Car il faut battre le gong. Olive et Tam, ils sont toujours en forme.